moment actuel, n'a parlé là, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, la police, Taka, mettait la patte sous plusieurs individus qui ont même été impliqués dans l'assassinat. Président républicain, monsieur Jovenel Moïse, qui lui-même perdit la vie de la Kaili, à mes côtés. Un groupe mercenaire, selon sa information, fait qu'on est à mélanger entre Colombiens et Vénézuéliens, et eh bien, président des mêmes cadavres, et monsieur, pour le moment, n'a pas lié à la Soudo. C'est vraiment une tristesse pour le pays d'Haïti. Eh bien, nous allons inviter au temps de confirmation ça avec donc DGPNH là et puis Premier ministre Péria, Claude Joseph, qui lui-même va donner plus de détails sur l'arrestation ça qui fait côté gain plusieurs qui tombés et gain qui n'a mis la police dans le moment. Pas oublier pour ceux là qui nouveau sur le canal ça ou sur TV la caille, ne pas parler trop en nous entrer directement en dedans information. Merci beaucoup PN. Et Jean-PM Nadil, selon instruction nous devons recevoir depuis hier, la police là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone, pour quitter la scène de crime, nous bloqué. Et depuis hier soir, nous avons battu avec eux. Pour quantité qui étaient réfugiés au niveau de la boule. Pèlerin. Nous engagés, battre avec eux. Il y a 4 là-dedans qui sont tombés. Il y a 2 là-dedans qui ont intercepté, qui sous contrôle nous. Et il y a 3 policiers qui étaient que vous avez pris en otage, que vous récupérez. Dans la minute que je parle avec nous là, la police là, engagée dans la bataille avec Assayan Sayo, n'a pas chassé pour que soit dans l'échange, le jeune sort, dans l'échange de tir, il est tombé. Ou bien soit nous appréhendons. Poursuite la continuer. La police a déterminé pour le fait travail de protection et de service que le gain pour la population et nous déployer pour que l'ordre règne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police a toujours là pour redresser la balance et continuer le travail pour faire régner la paix malgré les situations difficiles que nous avons vécues. Merci. Je ne tout connais. Il y a un constat légal qui est effectué sur dépouille mortelle président. Et dépouille là, il est déjà transporté dans le morgue, dans la capitale. Pour un dame là, il est hors de danger. Il a soigné en Floride. Et information de gain, situation stable. Depuis l'assassinat du président, nous avons déjà réalisé ici là dans la résidence privée pour le ministre, un conseil des ministres à l'extraordinaire. D'abord, un CSPN. Ensuite, un conseil des ministres. Côté ensemble, nous prenons une décision pour nous décréter état de siège dans le pays. Après le Conseil des ministres, nous avons fait une adresse à la nation. Pour nous faire un appel au calme. Nous sommes contents que la population l'entende nous. parce que je dis à nous comprendre que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit tendance politique, quelle que soit idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, on ne peut pas attendre, on ne peut pas espérer, personne ne peut pas anticiper acte barbare. Ça qui commet sous président Jovenel Moïse. Moi, rencontré jeudi à Kogoubla. C'était ensemble, nous avons analysé la situation et sollicité solidarité, communauté internationale là, parce que le pays a fait face à une réalité, du moins ça vivre un moment difficile. Donc, nous remercions les membres du groupe qui sont même très réceptifs à appel nous et à demande de solidarité que nous offrent effectivement à Haïti. Nous avons un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain qui a duré plus de 30 minutes. Dans la conférence, pays États-Unis offrir nous encore une autre fois support. Nous parlons de élection, nous parlons de sécurité, nous parlons de accord politique. Durant la journée, nous avons eu la chance également de parler avec des acteurs dans l'opposition, dans différentes branches de l'opposition. Pour me dire que nous mettons voix nous ensemble pour nous condamner l'assassinat au Dieu ça, pour nous condamner ce qui passé président Jovenel Moïse. Fort heureusement, nous avons en pile secteur dans l'opposition qui a été condamné action barbare ça. Peuple haïtien, je dis à moi connais que chaque grain de monde qui a regardé là, il est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, je lance un appel au calme. Situation sous contrôle. Conseil ministre qui réalisé matin et durant toute semaine, nous avons une permanence pour nous quimber pays. Situation sécuritaire là sous contrôle. Je fais un appel avec membres opposition, différents secteurs. Je dis yo même Jean, président Jovenel Moïse, était toujours ouvert balle. C'est comme ça je dis à nous-mêmes qui commandons pays, nous disons en nous avancer ensemble, en nous définitivement venons issus à la crise qui déjà dure trop que la population c'est lui qui a payé les conséquences. Pour ça qui vient à ouais. Ak mercenaires. La police nationale d'Haïti, l'armée a déjà encerclé au côté ouest. Nous avons une bonne nouvelle parce que j'aime te dire matin, acte barbare ça n'est pas prêté impuni. On peut quitter nous, passer qu'on a à DG. PNH là lui-même qui va nous donner plus d'explications sur comment nous a procédé pour nous permettre la population qu'on ait qui moun qui commettent ça. Côté où il est, côté où sorti. Merci. PM nous souhaitons rappeler que nous avons une situation assez spéciale, côté gain un président en fonction qui est élu et qui est en pleine fonction, il y a un bon mercenaire qui sortit à l'étranger et rentre la Cali, il exécuté. Donc dans l'intervalle là, il y a un peu de mesures que le Premier ministre souhaitait annoncer. Mais dans toutes mesures, nous rappelons que il y a un état de siège qui prend matin. Alors état de siège là lui-même qui s'allie sont mesures que le gouvernement prend, qui prend par rapport à une situation de gros danger, de gros péril. Alors, en d'un gros danger, ça, justement, on gagne une caractéristique, c'est qu'on est capable de gagner des corps étrangers qui rentrent sur propre territoire par eux, et c'est dans le contexte où on prend état de siège et qui menace souveraineté paysan, qui menace sécurité paysan. C'est exactement la situation ça nous y a là. Ça veut dire que on gagne, je dis, un chiffre X de gros nègres qui gagne gros âme et monsieur débarqué son territoire qui pas pour eux, ils pas haïtiens. C'est vrai que il y a des haïtiens avec eux d'après ça que le Premier ministre Sodino et qui rapporté par chef police là et police cap gourmet sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça n'a qu'à parler des étrangers qui parlaient anglais, qui parlaient espagnol, qui rentraient dans le cas un président élu en dans la Caïli, il n'y a pas de rien de fait pour de mériter sans ça que Obalia. Donc, en ce sens, nous rappelons que l'état de siège, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a là-dedans un aspect, c'est il y a un couvre-feu là-dedans. C'est surtout l'âme des besoins qui va avec nous. Que couvre-feu, il y a un côté tout qu'il y a la presse. Hein? Par exemple, et côté la presse, c'est. Et ouais, nous réunis entre nous, il y a des bagailles que les pas qu'à dire, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas employer le mot contrôle de la presse là parce que c'est exactement ça l'état de siège là. Et pour qui ça, pour éviter confusion. Mais qui ça capable d'arriver, justement, c'est que vous avez toute une journée quand vous avez un assaillant qui a avant, et puis subitement, vous avez des médias qui disent tel bagaille, et puis justement, ça permet à ça, ça vous qui sauver ou quitter le territoire. Et c'est ça qui est bizarre dans la communication, et c'est ça qui fait la communication, ça relève en éthique avec une déontologie. Et donc, on état de siège, justement, il rentrer sous territoire éthique à déontologie, ça, il mettons veto. Au niveau du gouvernement, ce n'est pas intentionnel qu'on mette veto, mais là, nous renvoyons vraiment à morale et à déontologie métier, encore moi-même, ces formations parmi tout, pour nous connaître que gagner de l'information qui a véhiculé, notamment sur les réseaux sociaux, qui pape en faveur ça qu'a fait là. Parce que la police, actuellement, on a parlé là, la popérée, joue que joue jusqu'à ce que nous joignent tout le monde, quel que soit côté ou étranger, parce que c'est sous territoire étranger ou sous territoire haïtien, qui pas territoire par eux, vin. Ni emmerder un président qui est élu, donc c'est logique qu'il a cherché à prendre côté OEA et qu'il baille explication à la justice. Donc c'est en ce sens qui est important pour m'attirer l'attention que ça qui est important pour nous, entre nous, c'est peut-être moins la presse parce que nous référons nous à d'abord à pouvoir la presse, que nous faisons plus confiance qui est de nous d'ailleurs depuis le matin là, nous, la presse joue un gros rôle, mais nous faisons confiance à la déontologie métier pour nous connaître en deux états de siège là. Il n'est pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il était important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que nous ayons des informations qui sont véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux, pour éviter. Mais couvre-feu, rappelez-nous que nous avons couvre-feu. C'est une caractéristique de l'état de siège. Couvre-feu, ça veut dire que, par exemple, à Soyala, la police a opéré. Donc, on série de monde, à part que ces journalistes, qui ont un badge clairement identifié, par aucun problème, c'est dans le cadre de travail qu'on a fait. Ou ces médecins, une série de métiers, une série de monde qui ont gagné des jobs pour le faire, on a identifié, quoique la police soit capable d'entrer dans elle, mais une série de l'autre monde, c'est la carrière, ou pas aucun intérêt pour circuler dans la rue, parce que c'est état de siège et c'est couvre-feu. Il y a une caractéristique de l'état de siège là, qui c'est l'armée qui remplace automatiquement le rôle de la police. Nous pas bon, là, je dis, un état de siège ou gagnant sont côté un état de siège, côté cohabitation l'armée et la police. Et donc, il est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de décisions ça qui prend pour sécuriser le territoire parce que moun qui tue le président rêve lui c'est créer chaos tandis que le rôle du gouvernement lui-même c'est assurer continuité de l'État et donc la continuité de l'État n'est pas liée à chaos, elle est liée à un principe de suivi côté souverain des pays qui menacé par les mercenaires, continuer à fonctionner et en même temps que les mercenaires ça rendent les choses à la justice. Donc, je crois que c'est peut-être ça pour nous noter, pour nous, l'importance c'est l'État de siège, ça qui d'ailleurs a duré 15 jours. Et c'est paradoxal, c'est un pays difficile, Haïti, à part que nous, l'État de siège, pas oublier, nous avons une situation de COVID-19. Il ne faut pas oublier ça parce que nous toujours rappelons nous ça. Je veux dire, même si nous avons pas de masque, mais masque là, il faut nous toujours continuer à protéger tête. Et nous avons profité de l'occasion, comme c'est la première fois que je parle, à part toute intervention PM nous fait, pour nous présenter pays, nation, sympathie et à famille président qui est victime et dans le cadre de travail, pour tout effort de faire pour la démocratie et pour construire un pays, il mourit pour à peu près tant qu'on un héros que le terrain met, et Jovenel Moïse, que le terrain met, c'était des salines, il mourit à peu près même Javel, des siècles après. Donc c'est ça l'histoire d'Haïti. Et je crois que c'est un combat à faire pour ne pas retourner dans des chefs d'État qui ont mouru dans portion encore. C'est le dialogue, Jean-Pierre Blanc-Sotil. Merci beaucoup. Bonne